il faut répondre par la magie du handball et c'est tout. Honneur, fierté, je dirais. Ouais, mais tu m'as volé mon mot là. Eh ben tiens, tu prends honneur et moi je prends fierté. Voilà. C'est bon. C'est une chance de jouer et d'évoluer en équipe de France et avec des gars avec qui on s'entend bien, c'est toujours plus agréable. Donc le premier plaisir, c'est de se retrouver. Voilà. Ça, c'est Valentin Porte parce qu'il ne dort jamais. Donc bon, normalement, j'arrive plus ou moins en même temps que lui, mais lui, il est toujours le premier au petit-déj. Il croit que tout le monde est martiniquais et du coup, il parle créole à tout le monde. Parce qu'on ne parle pas l'école, n'obligez pas les devant caméra, mais non, on ne parlait ça. Moi, je comprends, ça ne me dérange pas. Donc, on va dire qu'il est un peu perdu parfois. Je suis un martiniquais. Il est dans son monde parfois. C'est un homme de cœur. Parce que ce soit sur le terrain ou en dehors, voilà, c'est un joueur qui est à l'écoute des autres et qui prend toujours soin des joueurs qui l'entourent. C'est un bosseur, après sa longue blessure, de voir tous les efforts qu'il a fournis pour pouvoir revenir en équipe de France et pouvoir retrouver son niveau. Une fois que j'en suis sur le terrain, comme je suis agoraphobe, je me referme. Donc voilà, je me concentre sur le terrain, mais bon, je pourrais pas dire une salle. Celle de Veszprém. Parfois, on a l'impression que ça peut encourager l'équipe à domicile et au contraire faire peur à l'adversaire. Mais moi, je trouve que ça, dans les deux sens, ça transcende et c'est agréable de jouer dans des salles avec une telle ambiance. Ça se voit pas? Alors, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, Je pense que le style musical dépend forcément de l'état d'esprit du moment. Si tu as envie d'écouter du rap, un petit Drake, ça passe toujours très bien. Et si tu veux écouter un peu de musique antillaise, t'écoutes le dernier son de Kalash et voilà, t'auras une petite idée.